Bonsoir à tous. D'habitude, je fais des vidéos pour dire ce qui va pas. Et aujourd'hui, j'ai envie de changer un peu là, à l'instant, parce que cette journée a été très positive pour moi, même si derrière, je traîne encore mes casseroles. Ça a été une journée pleine de bonheur et de joie. Et bah, je veux le partager avec vous parce qu'en fait, si on en voit du positif, bah, on aura un peu plus de positif, je pense. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Donc aujourd'hui, au rond-point près de chez moi, y a des gilets jaunes, comme je vous ai montré hier. Il y a des gilets jaunes et ils sont de plus en plus nombreux. Et aujourd'hui, devait être le double ou le triple par rapport à hier. C'est formidable de les voir parce que ils sont là, ils s'accrochent malgré le froid et tout, ils s'installent. On se croirait, c'est marrant, mais on se croirait, je sais pas, dans un monde à part avec eux, c'est-à-dire un monde où ils s'entraident. Bonsoir Nicole, c'est un monde d'entraide, un monde de soutien, les gens viennent les aider, on leur apporte à manger, on leur apporte à boire. Je remercie d'ailleurs la gendarmerie de la Trinité. Bonjour à tous, je remercie d'ailleurs la gendarmerie de la Trinité de venir leur faire un petit coucou de temps en temps pour voir comment ils vont, de discuter avec eux, de prendre un café avec eux, de les soutenir malgré le fait... Coucou à tous, de les soutenir malgré le fait que voilà, ils sont là, ils font leur job, mais ils embêtent personne, ils viennent, ils discutent. Et comme le disait si bien un monsieur hier qui a été interviewé par France Bleu, il disait voilà, quand ils viennent discuter, c'est des gens comme nous, ils peuvent pas déroger à leur travail, mais dans le fond, ils sont de tout cœur avec nous parce que... Hello Isabelle. Bonjour Ruby. Ils viennent nous soutenir malgré tout parce que, bon, bah, leur cœur bat pour les gilets jaunes, quoi. Et voilà. Donc, de tout cœur, moi, je me suis encore arrêtée à les voir ce soir. Je leur ai fait un petit coucou. Je leur ai apporté des bricoles et je suis invitée à aller prendre le café avec eux demain matin, c'est mignon comme tout. Ils sont super sympas et donc il y a une réunion demain. Alors ils demandent à ce qu'il y ait un maximum de personnes qui viennent demain. Demain et samedi matin, qu'il y ait un maximum de gens qui viennent. Et ils sont bien d'accord sur le principe qu'il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on nous dit là en ce moment. Il faut tenir bon, il faut tenir le coup, il ne faut pas céder, quoi. On ne cède rien, on tient le coup, on va jusqu'au bout, on ne cède rien. D'ailleurs, moi-même, tout à l'heure en allant à Auchan, j'ai été m'acheter mon petit gilet jaune. D'ailleurs, d'abord parce qu'il en faut un dans la voiture, hein. On est bien obligé d'avoir un gilet jaune. Et là, pour le coup, bah, il est à côté de moi dans le dossier. Quand je conduis, j'ai mon petit gilet jaune à côté de moi. Et je suis très très contente et très fière de l'avoir. Parce que, bonsoir Christelle, parce que quoi qu'on en dise, ils sont quand même là pour nous aider. À nous de les soutenir aussi un peu, parce que c'est bien, ils sont là dehors au froid pour nous. Mais sinon, à côté, on ne fait rien pour eux, c'est pas intéressant, quoi. Donc, c'est bien d'y aller, de les soutenir, de discuter avec eux, de demander. Par contre, ils ne veulent rien lâcher, ça, je suis tout à fait d'accord avec eux. Il y a plein de choses, parce que là, c'est bien. Macron, il est revenu sur sa hausse de carburant, c'est bien. Mais bon, c'est rien, quoi. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Nous, ce qu'on veut, c'est. Enfin, ce qu'on veut, oui. C'est autre chose, quoi. Je veux dire, il y a plein de choses à côté. Bien sûr qu'il y a l'essence, bien sûr qu'il y a les taxes, mais il y a aussi les EHPAD, il y a les aides-soignantes, les infirmières qui sont pas bien payées. Il y a les ambulanciers aussi qui sont là et qui sont obligés de faire leur travail mal parce que ils n'ont pas ce qu'il faut pour pouvoir faire de leur mieux, quoi. Donc, franchement, ils ont besoin de soutien parce que voilà, ils font quelque chose pour nous, c'est très bien. Et cette journée, j'ai passé quelques minutes avec eux et ça a été vraiment quelques minutes, mais
On sentait de la chaleur avec eux, on sentait de la chaleur, on sentait de l'entraide, on sentait qu'ils étaient prêts à tendre la main à tout le monde. Ils sont là pour nous et en même temps, ils feraient tout pour bonsoir Gigi. Ils feraient tout pour nous aider, c'est des gens qui ont un cœur sur la main. Ils veulent le meilleur. Ils veulent le meilleur pour eux, bien sûr, mais pour les générations à venir. Et ça, moi, je trouve que c'est juste magnifique. Ouais, bon. Attends, Maria, elle est un peu fatiguée. Mais moi, je trouve que c'est juste magnifique, quoi. Et oui, demain, je vais aller chercher mon mari. Mais avant, je partirai un petit peu avant. Et oui, j'irai boire un café avec eux. Et oui, j'irai discuter avec eux. Et peut-être même que je ferai une petite vidéo avec eux. Je ne sais pas. Mais voilà, je suis là. Moi aussi, je suis concernée par cette situation. Parce que c'est une situation qui concerne tout le monde au final. Que ce soit les petits, les grands. Mon fils, il a eu blocus. Mon fils, il a eu blocus au niveau de son lycée. Merci Gigi. Voilà, il n'a pas pu rentrer. Je pense que là, tout le monde s'y met. Il y a les jeunes, il y a les moins jeunes, parce qu'au rond-point, il y avait des gens de tout âge. Il y avait des jeunes de 19 ans, comme il y avait des personnes de 60 ou 70 ans. Ils sont là, ils tiennent, ils tiennent. Alors moi, je les ai encouragés à tenir vraiment. Je leur ai promis que je viendrai demain boire un petit café avec eux. Donc je le ferai. Et franchement, il faut tenir. Il faut rien lâcher. Rien. Parce que les taxes, c'est juste. Voilà. C'est juste de la farine dans les yeux. Voilà. On vous avait mis les taxes. C'est bon. Les taxes sur l'essence, attention. Hein, sur les carburants. Hein. Mais le reste, ça reste. Donc non, non, non. C'est juste pour nous en. Et puis, voir, attention, attention, quelque chose qui est très important, c'est son voyage à Marrakech, là. Hein, parce qu'il y en a qui disent que oui, ça va se faire, il y en a qui disent non, ça ne va pas se faire. Personnellement, je veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais il faut faire attention quand même à ce qui pourrait arriver. Donc, est-ce que il laisse pas un peu les gilets jaunes de côté pour qu'on lui foute la paix, pour que lui puisse aller se promener? Et qu'après, en revenant, s'il part du gouvernement, qu'il dise pas, ouais, c'est les gilets jaunes qui m'ont foutu dehors, alors que c'est quelque chose que lui avait déjà prévu au départ. Attention, parce que il y a pas mal de manigances. De toute façon, quoi qu'il en soit, je pense qu'il y aura des gens qui vont faire un blocus samedi pour pas qu'ils partent, ou qu'il va y avoir quelque chose. Je sens qu'il y a quelque chose qui se trame en dessous. Donc, si vous avez des gilets jaunes autour de vous, allez leur parler, juste les soutenir dans leur action, parce que si nous on ne la fait pas, eux ils sont là pour nous, et les soutenir dans leur action. La police commence à changer son fusil d'épaule, si je peux me permettre, et à venir, à les soutenir. Ils sont là, ils les protègent. Certains policiers, c'est sûr, ils sont là pour protéger. Certains ont un cœur aussi, ils ont une famille et ils estiment que c'est pas normal ce qui se passe. Donc ils foutent la paix aux gilets jaunes. Et ça, tous ceux qui font ça, tous, que ce soit des CRS, des militaires, des gendarmes, des policiers, ceux qui laissent parler leur cœur. Et que, bon, ils font leur travail, c'est sûr, mais qu'ils laissent parler leur cœur, qu'ils viennent les soutenir et qu'ils sont toujours présents pour eux. Ça, je vous en remercie, mais alors vraiment, 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 parce que c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Ça concerne des bébés, ça part des bébés jusqu'aux personnes âgées. Mais alors là, ça fait toutes les générations. Hein. C'est les bébés, eux, ils sont dans l'histoire avec les histoires des vaccins. Et à tous les étages de l'âge, il y a quelque chose qui fait que, voilà, on est tous concernés à des niveaux différents, mais on est tous concernés. Donc on se doit tous de se battre.
tous, les jeunes pour leur futur, les personnes de 40 ans pour leur retraite et encore s'ils en ont une, mais pour pas qu'ils finissent dans des mouroirs comme c'est le cas en ce moment, il faut tout changer. C'est pas le gouvernement, faut l'écraser. Il faut plus qu'il y ait de gouvernement. De toute façon, il faut plus qu'il y ait de gouvernement. Il faut rien lâcher. Tant que le gouvernement est en place, il ne faut rien lâcher. Et moi, personnellement, je serai la première à porter le gilet jaune demain. De toute façon, si je fais une petite vidéo, vous le verrez, je serai la première à porter le gilet jaune pour les soutenir, parce que vraiment, ils sont là pour nous et ils nous aident. Et ils font ce que nous, on ne peut pas faire, ceux qui sont à la maison pour X raisons, pour des maladies, pour n'importe quoi, il y en a qui ne peuvent pas se déplacer. Donc, ceux qui peuvent se déplacer, on ne vous demande pas de passer des heures avec eux, mais d'être là, de les soutenir, de les encourager, de leur dire oui, on fonce, oui, on est avec vous, et oui, on ne lâchera pas, on tiendra, on ne lâche rien. Tant que nous n'avons pas ce que nous voulons. Nous sommes le peuple, nous sommes nos propres, nous avons notre propre identité et nous ne devons rien lâcher. Voilà, ça a été une journée très bonne, très heureuse et j'espère que pour vous aussi. Et ne lâchez rien, s'il vous plaît, ne lâchez rien. Bon, je vous souhaite une très bonne soirée, heureuse d'avoir partager ce petit moment avec vous et de tout cœur avec les gilets jaunes et quoi qu'il arrive, parce que je sens l'entourloupe venir, je sais pas pourquoi, mais je sens l'entourloupe venir, quoi qu'il arrive, je suis avec eux et je suis avec vous et j'aide le monde comme je peux et je serai là pour tous. Bonne soirée, je vous embrasse avec le cœur et à demain. Bye.